Juliette Plagnard, la directrice des programmes pour Sport Élite Jeune, et je suis aujourd'hui accompagnée de Elisa Servière, notre chargée marketing et communication. Cette année, SEJ a décidé de s'associer à un jeune escrimeur talentueux, Mélik Salabert, qui est présent aujourd'hui avec nous. Bonjour Mélik. Bonjour, merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors Mélik, comme tu le sais, SEJ a à cœur de soutenir et d'aider les jeunes sportifs à promouvoir leur image dans le domaine sportif. L'année passée, nous avons choisi d'accompagner l'association ABBA, Aveyron Basketball Academy, qui mène également un beau projet social mêlant pratique du basket et soutien scolaire. Et cette année, nos regards se sont portés sur ton projet, ton profil, et nous en sommes ravis. Alors, pourrais-tu nous expliquer ton parcours, et plus précisément ton parcours dans l'escrime, puisque c'est le sport que tu pratiques aujourd'hui à haut niveau? Je fais de l'escrime depuis que j'ai 5 ans, et cette année, je suis en seconde, donc ça fait 11 ans que je fais de l'escrime. L'année dernière, j'avais des entraînements de 1 à 2 fois par semaine. Mais cette année, j'ai rejoint le centre de formation fédéral de Rodez. Et maintenant, j'ai des entraînements tous les jours après les cours. Et je suis en sport-études au lycée Monteil. Et je combats au niveau régional et national. Ok, très bien, c'est intéressant. Et comment tu t'es lancé dans ce sport? Comment t'as connu l'escrime? Mais je ne me rappelle pas vraiment parce que c'était il y a 11 ans. Mais je sais que j'aimais bien avoir une épée dans les mains et combattre d'autres personnes. Et puis les maîtres d'armes du club, ils ont réussi à me transmettre leur passion. Top. Merci pour ce petit récap. En tout cas, t'as un beau parcours. Et je voulais te demander si tu avais un modèle à qui tu t'identifiais ou quelqu'un qui te motive chaque jour, que ce soit dans l'escrime ou dans le sport en général. La personne qui me motive chaque jour dans le sport et plus particulièrement dans l'escrime, c'est Romain Ganon, le champion du monde et olympique en titre, parce qu'avant les JO et les championnats du monde, il n'avait jamais fait de très bons résultats. Et ça montre qu'on peut se révéler tardivement dans le sport et dans l'escrime. Ouais. Mais en tout cas, tu as de belles références. Et quelles sont tes ambitions pour le futur alors? Pour le moment, dans l'année, mon objectif, c'est de faire dans le top 10 français à la fin de la saison. Et à long terme, de me qualifier à plusieurs autres épreuves internationales. Ok, on croise les doigts pour toi alors. Et encore une petite question, comment tu as connu SEJ? J'ai connu SEJ grâce à une amie de mes parents qui travaille au club Langue et Civilisation. C'est elle qui m'a parlé de vous et qui m'a dit que vous pourriez être intéressé par mon aventure et c'est pour ça que je me suis permis de vous contacter. T'as bien fait. Et comme je le disais précédemment, on a vraiment été séduits par ton projet et ton profil et on avait vraiment à cœur de t'aider, d'autant plus quand on sait que tu es originaire de notre belle région qu'est l'Aveyron. Alors maintenant, est-ce que tu peux nous dire à l'occasion de quelle compétition on pourra te retrouver prochainement? Vous pourriez me retrouver ce week-end pour une Coupe du Monde à Grenoble, une Coupe du Monde cadet de ma catégorie, et tout au long de la saison dans des circuits nationaux. Et cette année, le club de Rodez il organise un circuit national M20 en décembre et les championnats de France de ma catégorie M17 en mai. Super, on te souhaite bon courage en tout cas et de toute façon on est sûr que tu as les compétences pour devenir un grand escrimeur et on pense que tu en prends déjà le chemin d'ailleurs. Donc, voilà. Effectivement, je rejoins Elisa. Alors merci d'avoir répondu à nos questions et on te retrouve prochainement sur la piste alors. Merci beaucoup, à bientôt. Et merci à tous et si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur sporteliteJeune.fr ou par téléphone au 05 65 76 55 33.